Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'imagine que pour beaucoup, non. Ça reste encore un environnement assez délicat où on est en mode on chute, on essaye de trouver des bottoms, mais on n'y arrive pas. Alors, on a identifié, nous, avec les VIP vendredi dernier, une zone qui pourrait être intéressante. Déjà, on va faire un petit bilan de la structure weekly. Bon. D'un point de vue weekly, on est dans un méga range qu'on peut identifier ici et on est plutôt dans la partie basse du range avec un support qu'on a dessiné ici sous la forme d'un weekly W, ce qui est quand même une jolie structure. Mais c'est aussi un range, c'est-à-dire c'est un range dans un grand range et on vient de réintégrer à l'intérieur. On vient de réintégrer à l'intérieur. Pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'être pessimiste. On pourrait dire non, mais c'est un tag de week off, donc retest de la ligne de coup. Vous voyez ici, on arrive sur la zone potentiellement de demande, pour ensuite inverser cette tendance avec une structure de marché de type plus au sommet, plus au creux. C'est pas impossible du tout, et on va arriver dans une fenêtre de saisonnalité, généralement fin avril, qui pourrait être favorable pour ça. Pour l'instant, on ne peut pas compter dessus parce que ça fait quelques jours, ça fait une semaine que le marché se fait défoncer. Et contrairement à un rallye qu'on a connu de 40% non-stop sans le moindre dip quand on a touché le bottom en juillet 2021, il semblerait que le marché peine à remonter, que à peine 2 semaines de hausse, on ravale quasiment tout et on est toujours dans cette zone de range ici. Et comme vous rappelez, on avait passé beaucoup de temps par là. On a effectivement, le marché s'est retourné, mais on a laissé, on n'a pas eu cette capitulation qu'on aurait pu attendre. Et là, je pense que quand même, c'est pas sûr qu'on l'ait vers le bas, cette capitulation. Il y a une possible continuation, un possible retest ici de cette zone qui est une zone où il y a beaucoup de liquidités. Et ça peut très bien arriver sous la forme d'une mèche. D'arriver dans cette zone, mais je pense que c'est pas forcé, c'est parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Je pense qu'au niveau psychologique, ça commence à fatiguer beaucoup. C'est quoi ces bottoms qui sont dessinés dans le marché et qui n'y sont pas? Et je pense qu'on peut ressentir un découragement dans ce marché qui est vraiment en mode ultra hardcore. D'ailleurs, félicitations au VIP d'avoir fait le pas. Parce que vous serez en bonne main pour affronter tout ça. Bon, maintenant, on peut être bearish après une réintégration dans un range en disant on va aller chercher la partie basse du range. Je pense qu'on est déjà, on est trop près d'une belle fenêtre de saisonnalité pour qu'on aille beaucoup plus bas. Je pense que d'un point de vue psychologique, les gens sont déjà lessivés et découragés. Ils ont très mal à tenir leur position. Malheureusement, la réaction que je vois dans dans les données order flow ce matin, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui achètent quand même le dip et de manière agressive. Donc on n'a pas fini quand même d'user la psychologie ambiante. Mais il suffit d'un niveau. C'est ce que je disais hier dans le groupe en discutant avec eux. C'est OK, il y a des niveaux techniques importants, mais parfois il y a des niveaux psychologiques. Et tant qu'on n'y est pas allé, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a des points dans ce marché qui peuvent susciter, dans les marchés, qui peuvent susciter un gros switch mental. Évidemment, si c'est un niveau technique, par exemple, si on allait vers là, on ferait un plus bas creux. Et là, c'est sûr, on a tous les analystes techniques qui diront, ouais, mais non, structure de marché, direction 9600, etc. Alors, il met les mots sur ce que je ressens depuis plusieurs jours et je pense pas être le seul dans la situation. Oui, Justine Homme, t'es pas tout seul. Donc, c'est important d'être conscient de ce qui se passe chez les intervenants du marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça se trouve, on n'a plus besoin de grand-chose. Et si on regarde un petit peu les heatmaps disponibles, on voit qu'il ne suffirait pas grand-chose. Peut-être 49 000, chiffre rond psychologique, 39 000. Des fois, il suffit d'un petit 9 ou un 0 qui est dépassé et d'un coup, ça commence à faire trop, quoi. Genre le ras-le-bol, genre fuck it, je vends tout et ça devient finalement le point de liquidité maximale qui peut être détecté par des traders d'algorithmes pour dire ok, c'est bon,
la capitulation a eu lieu et elle n'a pas forcément lieu à des endroits évidents. Elle peut avoir lieu à des endroits psychologiques. Et là, on a eu beaucoup d'usure sur le marché. Donc, mon avis est que pour l'instant, encore un petit peu de difficulté, un petit peu de souffrance. Il y a beaucoup d'alts qui veulent trouver leur bottom, mais qui se font à chaque fois niquer par le Bitcoin qui est faible. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a des acheteurs dans cette zone. Ils ont déjà réussi à renverser par le passé aussi ici. La question, c'est qui se fatigue le plus vite. Ça va être les acheteurs ou les vendeurs. Si on a des acheteurs motivés, des strong hands, et que les acheteurs, bah, tous ceux qui voulaient vendre dans cette zone et ils ont vendu, bah, on va trouver de quoi faire un rallye pour le printemps. Si pour éventuellement défoncer ces strong hands, ce qui n'est pas impossible, parce que tout peut arriver sur un marché, par exemple, on a une mauvaise news incroyable, bug dans la blockchain, voilà. Et dans ce cas-là, il faudrait un mouvement très fort vers le bas. Je ne parle pas de simplement une petite pichenette, puisqu'on a des gens qui achètent long terme. On a du gros poisson qui achète long terme. S'ils achètent long terme, ils ne sortiront pas de leur position. Parce que eux, pour eux, que ça fasse 5, 10 ou 20% de moins, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, pour pouvoir sortir des gens qui accumulent en spot, il faut faire très peur. Il faut un signal technique fort. Par exemple, arriver jusqu'ici. Dire, ok, oulala, 20-30% de mon investissement, je ne suis pas trop d'accord pour le perdre. Et dans ce cas-là, tu peux sortir des gens en spot. Mais si c'est juste des petites bougies rouges, quelques petits pourcents sur une semaine et tout, ça ne va pas décourager ceux qui sont en mode accumulation ici, parce qu'ils sont complètement OK d'accumuler ici, ou d'accumuler ici, ça ne changera pas grand-chose pour eux. Donc tout ça pour vous dire, c'est que mentalement, on est plus proche d'une capitulation que dans le graphique. Ça ne veut pas dire que bull market, super cycle, hein, non, 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 c'est pas ça. Moi, pour moi, on va observer ce qui se passe pendant le printemps, saisonnalité, les marchés crypto, c'est pas fou. Mais bon, pour l'instant, on pourrait avoir un beau rallye dans le mois qui vient. Et ce qui est difficile, c'est de tenir les positions. C'est difficile de tenir les positions parce que les gens partent trop à risque. Et du coup, leur marché ne fait pas le cadeau d'un mouvement unidirectionnel. C'est encore des zones de turbulence. Donc, attendons de voir. Le Bitcoin qui trouve son bottom, où c'est qu'il va le trouver? Est-ce que c'est dans un point psychologique? Je pense que ça sera dans un point psychologique, et si c'est pas dans un point psychologique, ce sera dans un point technique, dans ces zones-là. Mais psychologique, ça peut être bien avant, et je pense carrément ici. Des fois, quand on en a marre, il suffit de pas grand-chose. Une bougie rouge en trop et la capitulation peut arriver comme ça dans des niveaux qui ne sont pas forcément attendus. Voilà. Donc du coup, personnellement, je pense que faut pas que vous perdiez espoir. Bien sûr, moi je gère mon risque, hein, donc si jamais je me trompe, je survivrai. Mais le risque, je vais les prendre et je commence à être attentif à ce qui se passe, parce que bientôt je pense qu'on aura des entrées optimales pour un bon rallye de saison. Peut-être dans 10 jours, on verra. C'est possible que si on se tape une semaine de plus de chiasse, ça soit là la goutte d'eau. Mais même si le prix est poussé vers le bas, sachez-le, il y a des gens de sérieux qui achètent. Donc, voilà, je ne veux pas vous encourager à rester dans un déni, hein. Comme je vous avais dit, c'était pas bullish ce qu'on avait vu là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié que je fasse des actes de prudence ici sur ma chaîne. Ils me l'ont fait savoir en commentaire. Il y a d'autres gens qui n'ont pas apprécié que je disais qu'ici c'était pas c'était bearish et voilà, et pareil, ils voulaient pas l'entendre. Donc maintenant, je vous dis, c'est vrai que c'est pas beau. Mais c'est pas catastrophique. C'est pas catastrophique. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Voilà. Bonne journée à vous et à la prochaine.